Aux différentes et nombreuses étapes de ma carrière médicale, de médecin militaire puis humanitaire, et ensuite de responsable associatif, je me suis souvent interrogé sur la fraternité, sa définition, son usage et la fragilité de son message. Pour échapper aux approximations des discours faciles et des improbables explications des religions et des idéologies, j'ai cherché une réponse du côté de l'anthropologie pour faire un rapprochement entre deux mécanismes évolutifs complémentaires. D'une part, le mécanisme neurobiologique de l'identification à l'autre, que les neurosciences ont tout récemment découvert avec les neurones miroirs et dont nous pressentions l'existence avec l'empathie. Et d'autre part, l'émergence de la protection des faibles, qui avait longtemps été contestée par le principe de sélection naturelle et qui aujourd'hui ne fait plus débat. La protection des faibles, qui n'est pas la sélection des faibles, bien entendu, est en soi un instinct qui confère un véritable avantage évolutif à toute l'humanité. En effet, la protection des faibles a permis à l'homme de développer une grande créativité responsable du premier fait civilisateur de l'humanité. Un fait civilisateur exigeant de plus en plus d'intelligence collective, de régulateur des mondes, des modes de vie, de solidarité et de créativité. Il s'agit là d'une adaptation évolutive tout à fait conforme au darwinisme. C'est ainsi que, avant même d'être nommée, la capacité de protéger les faibles a été le premier des biens communs de l'humanité. Cette capacité porte un nom dans toutes les langues. Pour nous, c'est fraternité, par analogie avec la fratrie, sans pour autant imposer l'équivalent d'un père. La civilisation s'est constituée grâce à cette capacité collective de résistance par l'identification à l'autre. Autrement dit, ce n'est pas l'humain qui a inventé la fraternité, mais c'est la fraternité, sélectionnée pour sa force et son intelligence collective, qui a conduit l'humain à la civilisation. Pendant des centaines de milliers d'années, la fraternité s'est diversifiée autant que se diversifiaient les formes de vie et de culture de l'humanité. Ce morcellement, qui tient à la géographie bien sûr, mais aussi aux religions et aux modes de vie, s'est trouvé brutalement aggravé pendant le XXe siècle par la spirale hypertélique d'une croissance injuste et destructrice, bénéficiaire des multiples guerres. C'est ainsi que notre fragilité des premiers âges nous revient brutalement en pleine figure par l'absence de dispositifs protecteurs de nos propres excès. Ne perdons pas cependant confiance. La fraternité n'est pas morte. Composante essentielle de l'identité des humains, elle est seulement refoulée, réprimée, méprisée et retournée contre elle-même. Elle est rejetée dans le passé, alors qu'elle est notre communauté de destin. Il nous faut la placer au centre de nos projets alternatifs de transition ou de préparation à l'émergence d'une civilisation nouvelle sous la forme d'une métamorphose imprévue. C'est ainsi que nous pourrons lui rendre la place éminente qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans le triptyque républicain et dans les rêves des hommes et des femmes qui ont tant besoin d'elle pour alimenter un avenir de bonheur et de paix.